Salut à toutes et à tous, c'est Crane. On se retrouve pour une nouvelle session sur Brotato, des runs en danger 5. Le but étant d'avoir tous les persos en danger 5. Et combien il en reste? Combien? Un seul. Et oui, il ne reste que le roi des patates. Mais avant, c'est une nouvelle vidéo, ce qui veut dire que si vous voulez bien laisser un petit message dans les commentaires au moment de la sortie, ça aide au référencement et c'est très très gentil de votre part. Et moi, ça me fait toujours très plaisir de lire vos messages, donc merci beaucoup. Si vous aimez mon contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour être alerté des vidéos et mettez des pouces sur les vidéos qui vous plaisent, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Let's go. Regardez, nouvelle partie. Poum. Regardez, je me cache. C'est pas beau? Il ne reste que lui, le roi. C'est pas mal de finir par le roi, en plus. Voilà, voilà. Bon, est-ce qu'il va nous faire galérer ou pas? J'espère pas. Parce que déjà que normalement, là, il est tard et je devrais couper le stream, mais il reste qu'un seul perso, je me suis dit, allez. Alors, le roi. Le roi, le roi. Plus 50 de chance, ça c'est beau. Plus 25% de dégâts pour chaque arme de grade 4 que vous avez. Ok. 25% vitesse d'attaque pour chaque arme de grade 4 que vous avez. Donc on veut de l'arme grade 4, ce qui veut dire de l'arme rouge. Plus 5 PV max pour chaque objet de grade 4 différent que vous avez. Ok. Par contre, on a du malus de dégâts pour les armes de grade 1, du malus de vitesse d'attaque pour les armes de grade 1. Mais ça, c'est pas trop grave. Le seul, parce que rapidement, on peut les combiner, donc logiquement, ça passe. Par contre, le truc qui est un peu plus embêtant, c'est le moins 2 PV max pour chaque objet de grade 1. Parce que ça va être compliqué d'avoir des objets de grade 4 pour avoir du PV max. Donc il va falloir pas mal se restreindre sur les objets blancs. On va voir. Et en plus, bon, le truc est bien, c'est qu'on commence avec une arme bleue. Mais du coup, on prend laquelle? Avec la chance, moyen de trouver direct du bleu. Tout à fait, tout à fait. Je suis en train de réfléchir par quoi je veux terminer. Acheteré. Bouf. Épée, c'est broken. Bah en fait, le roi qui se bat à l'épée, essayer de trouver Excalibur pendant la run, ça me tente bien. Mais j'en ai marre de faire des runs corps à corps. Je viens d'enchaîner plein de runs corps à corps alors que je dis que j'aime pas les runs corps à corps et je fais que ça. Mais le roi avec son épée, c'est quand même ultra stylé. Donc je pense qu'on va faire ça. Voilà. Non, j'avoue, le roi avec son épée, c'est stylé. C'est stylé. Et si on trouve Excalibur, là, ce serait incroyable. Jamais joué avec, en plus. Et ben. Alors c'est quoi l'âme? C'est... Bah l'âme est médiévale, c'est ça l'épée? Je sais plus. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut du flat, potentiellement. On veut de la chance. On peut vouloir du crit. Parole une fois. On va prendre... Ah mais non, mais j'ai 52 chances. Je sais pas ce que je veux au début. Je vais prendre du PV max. Pas terrible en vrai. Vrai, je sais pas ce qu'on prend là. Bon, ça, ça reste. Non, c'est pas terrible. Hein. Et on perd 2 PV. Bah ouais, mais en fait. Ouais, peut-être qu'au début, faut rester avec juste l'arme bleue. On va voir. Tant que t'as pas de bleu, prends rien. Ouais, mais le truc, c'est que une arme, ça fait pas forcément beaucoup de kills. Et du coup, même si tu t'en sors avec une arme, tu tues pas forcément assez de mobs et du coup, tu fais beaucoup moins de thunes. Mon 4 dégâts mêlés, c'est oui. Donc alors, on a dit que c'était l'âme médiévale. Peut tenter de choper 2 lances de joute. Parce qu'il faudrait une autre arme, quoi. On peut se tenter de choper 2 lances de joute, à la limite. Bon, là, je vais avoir un malus. Et on l'aura pas au prochain. Donc, ok. Là, on a un malus. On va tenter.
Bah, c'est pas qu'il manque encore un peu de chance, c'est qu'on est dans les premières vagues, donc il y a quasiment jamais d'item bleu. Je crois que j'ai vu... Oui, il y a un arbre. Oh, nice. J'essaie de ramasser un maximum. 91, ça va, c'est correct. Oui, on va le prendre pour le moment. On va prendre du PV max. Bon, vas-y, je vais prendre du PV max. On va faire ça, on va les combiner. Donc on est à 24 PV. On peut prendre du blanc. Sachant que si ma mémoire est bonne, ôtez-moi d'un doute. C'est par item unique. Si par exemple je prends folie, les autres folies ne me feront plus de malus. On est d'accord? Unique, oui. Parce que folie, en vrai, c'est pas mal. On va le prendre. On va... Pareil, on va prendre le canard aussi. Ok. Parce que le canard, à chaque fois qu'on en trouvera, on les prendra avec grand plaisir. Hop. Avec le bouclier, ça fera encore du médiéval. Puis bon, bouclier, lance de joute, épée. Niveau médiéval, là, niveau roi, on se pose. Pas d'où tu viens, toi, cette caisse mais... Ok, c'est pas mal. Non, parce que je veux pas le malus de régène PV, même si en vrai, c'est un bonus de PV, du coup... On recycle. Alors, qu'est-ce que je veux? De l'armure, c'est correct. Qu'est-ce que je veux? Je veux de la chance. On va reprendre de la chance. Bon, là, on s'est mis plutôt pas mal en chance. Hein. On va prendre ça. Donc, on est à 22 HP. Très bien, ça. Très très bien. Qu'est-ce qu'on pense? Oui, c'est bien aussi ça. Ok, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Merci Vidéo Gameu et tout coucou. Merci pour les 91 mois. Et bim, j'espère que ton live s'est bien passé. Merci, merci. Ok, c'est pas mal. Là, ça décolle. Merci beaucoup et bienvenue à toi et ta commu. On est sur le dernier perso de Brotato qu'il me manque à passer en danger 5. Avec l'épée en plus, ça va être encore mieux. On est pas mal, on est pas mal. On va quand même faire gaffe. Un minimum. Si du coup, j'essaye de ramasser au max. Qu'est-ce que je pense de la portée? La portée au corps à corps, c'est toujours un choix. Parce que d'un côté, ok, tu atteins plus d'ennemis, mais d'un autre, tu gagnes de la vitesse d'attaque en ayant un malus de portée. J'ai ragé sur Isaac, je suis à moins d'une vingtaine de secrets du Dead God, donc forcément, ça commence à être tendu, tu m'étonnes. Courage, courage, courage. En parlant d'Isaac... Voilà, voilà, voilà. J'en profite pour les gens de YouTube qui l'ont pas vu. Hein ? Bon, il est mal coiffé. Mais une magnifique peluche d'Azazel, bah oui. Je pense qu'on va roll. Bon, l'esquive, toujours correcte. On prend. Et on va prendre bah, ces deux trucs-là. Hein. Ah, j'aurais dû prendre la portée, sachant qu'on prenait le petit mec musclé derrière. Oh, il y a déjà du violet. Mais du coup, on va pas le prendre. Non, let's go. Ok. Je veux un Azazel aussi. C'est le Kickstarter que j'ai fait il y a genre 2 ans, 3 ans. Non, plus que 2 ans. Donc, je dirais 3 ans au moins. Et ça y est, enfin reçu. Donc, ça fait plaisir. On s'est fait un petit opening tout à l'heure.
Les loulous de YouTube ne pourront donc pas voir. Et oui, il y a des avantages à être sur le live. Venez sur le live. Hop. Et en plus, pour les gens de YouTube qui se demandent toujours « Mais comment soutenir Crane ?» Eh bien, n'hésitez pas à venir sur le live. Et si vous pouvez vous abonner, bah, ça me soutient. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui peuvent le faire et qui le font. Un petit arbre. Et en plus, avec une petite caisse, c'est parfait. On a 30 HP, c'est bien. Faut dire sur YouTube d'aller sur le... Voilà, c'est ça. C'est ça. On va les prendre parce que c'est très rentable. On aura du malus HP que pour le premier. On va prendre la chance encore. Du coup, est-ce que je prends la portée vu que je suis à moins 23? Vous savez quoi? Je vais prendre un truc de portée parce que... Oh mince... Tirelire Vax 7. Pam, pam, pam. Est-ce que je suis en position vraiment de tenter la tirelire? Mais c'est tellement facile à rentabiliser. Parce que là, on va gagner 40 direct. Vas-y, je vais tenter. Même un peu plus. Non, on gagne 20. Pourquoi 40? Je sais pas. T'as 40% ma tirelire, moi. On est quand même assez strong vu qu'on a du stuff. En plus, là, on vient de regagner des trucs. C'est bien. Ah mince, c'est vrai que... Non, j'avais oublié. Pardon, c'est bon. Hop. Good. Oh, mais je prends cher quand même. Par contre, lui, on le veut, mais on ne veut pas mourir. Oh, je l'ai pas eu. Yes, j'ai eu. 10 secondes. Alors par contre, ça a fait pop un autre Billy, sachant que on n'a pas de régène. Là, on peut mourir sur un malentendu. Oh, c'est bon, ça passe. C'était un peu greedy. Bon, pour 8, on va la prendre. Ça fait toujours un petit peu de dégâts en plus. Ah non, mince, ça fait moins 2 PV, j'avais oublié. Vitesse, on est à 2%. Ce serait... Avoir un peu de récolte, ça serait bien aussi. Ah, 6 dégâts mêlés. Ah, je suis obligé, 6 dégâts mêlés. J'avais déjà oublié le... On va prendre ça. Lui aussi, il y a moyen qu'il soit rentable. Hein. Vague 8. Vague 8 devrait être plus tranquille. Non? Comment ça, non? Si tôt, à ce prix-là? Ah, je vais prendre la tentacule. On va y aller comme ça. Let's go. Bah ouais, ce serait pas une très grosse rentabilité. Donc, 27 points de vie. Pourquoi je fais que des builds corps à corps? Ce jeu, il est mieux quand tu joues distance. T'es tellement mieux distance. C'est tellement moins de stress. Pourquoi? J'ai fait que des builds corps à corps, je crois, toute la journée, là. Ça devrait être interdit. Non, j'ai dû jouer autre chose à un moment. Je sais pas si j'ai joué autre chose. On a testé autre chose, mais on n'a pas gagné les runs avec des builds distance. Attends, critique, je l'ai fait avec quoi? Je sais plus. J'ai fait avec quoi le cryptide au début, les gens qui sont là depuis un moment? Aïe 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 aïe. Ok. Griffe. Ah bah ouais, j'ai fait griffe. Ensuite, on a gagné avec lance, bouclier. Et là, je fais épée et truc. Par contre, ça, c'est un grand oui, ça. C'est genre un méga oui. Bon bah du coup, j'en ai déjà pris une. Je reprends une, hein. J'ai plus de malus HP. Bon, ça se refuse pas un 3 armure vanilla, là. Ok. Ah, mais après, j'ai trop de portée, quoi. Mais bon, la vitesse, c'est bien. 6 dégâts mêlés, c'est pas mal. Ouais, go. J'étais obligé d'un peu tout prendre, là. Je veux bien des armes aussi, si jamais...
J'aurais aimé être à 6 armes pour la vague 9. Malheureusement pas le cas. Mais on devrait quand même bien s'en sortir, je l'espère. Hop. Un petit loot. Donc plus 15, c'est bien. Pas d'autre loot. Je vais dire un autre loot, je ne sais pas pourquoi. Dans mon cœur, c'était une caisse. Qu'est-ce que j'ai pris? Ouf. Ça tient. Ça tient à peu près. Mais il reste. C'est bon. 500, ça va, c'était pas mal. Oui, ça on prend totalement. Bon, on va prendre le 15% vitesse d'attaque. Il est là, il est vanilla. On va prendre le PV... Oh, 6 dégâts mêlés. Non, je suis obligé de prendre le PV. Faut que je prenne le PV max, je vais mourir sinon. On va prendre le PV max. Bah ça, vu qu'on en a déjà pris, on va en prendre un deuxième. Ah, j'aurais peut-être dû prendre le bâton, mais c'est trop tard. Ah, cool. Ah, c'était bien. J'ai bien aimé ce qui vient de se passer. C'était bien. Voilà. Ça, Crane content. C'était pas mal. Mais 39 HP, c'est quand même pas assez. Du coup, on doit avoir du vol de vie. Avec le bonus de l'âme. Une caisse. Cool. Mais pareil, le vol de vie quand tu frappes une fois toutes les 17 secondes, c'est pas non plus incroyable. Hein. Mais au moins, on a nos 6 armes. Déjà. J'aurais dû le prendre, le truc. Il est. Il faisait 2 points de vie en plus sur les. Sur les. Sur les consommables. En vrai, c'est pas si mal. Hein. Ça fait une source de heal qui est pas dégueu. Ok, tout va bien, à peu près. Troisième, on prend. Ça, on prend pas. C'est moche. C'est moins moche. On va prendre la vitesse d'attaque. Ça, on en a pris un, donc on peut prendre un deuxième. C'est pas un souci. On pourrait même prendre une tourelle, du coup. Mais je pense qu'elle sert un peu à rien. Mais j'hésite parce qu'elle me tient compagnie. J'hésite. Est-ce que tu penses que c'est des mods? Je sais pas. Elle sert à rien, mais d'un autre côté, ça fait des copains. Ah, allez, non, on prend pas. Ah oui, ça par contre, c'est oui. Et qu'est-ce que j'en pense de ce bouclier? On pourrait se faire un deux boucliers... Deux boucliers, ça fait moins 2% vitesse, mais 1 d'armure. Et à la place... Et je perds quoi? Je perds un dégât mêlé, 1% vol de vie. C'est pas terrible. Mais d'un autre côté, ça permet de les combiner derrière. Attends, je vais le verrouiller. Et on va y aller comme ça. Est-ce que je veux pas ça? Oh, j'ai pas envie d'un... Je veux la sangsue aussi, hein. Même si elle a malus de récolte, tant pis. Hein. Ça peut me sauver sur la vague d'après. La vague d'après risque d'être coton. Hein. 45 PV. Pas horrible. Mais je pense, je sais pas, je la sens pas la vague d'après. Je ne la sens point. Le problème de l'épée qu'on a pris, c'est que j'ai envie de jouer épée, mais c'est compliqué de faire une épée rouge. Hein. Enfin, faire une épée rouge, oui, mais d'en avoir plusieurs, du coup. C'est bon, je l'ai eu.
On essaye de ramasser un maximum. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on va la prendre, ça soigne, c'est bleu. Du coup, on va prendre du PV max. On va le tenter. Hein. Donc là, on pourrait faire une épée rouge. Mais on verra si on trouve une autre arme un peu PGM. C'est pas fifou tout ça. C'est pas fifou. Bon, on est passé à 11 d'armure. Ça, c'est plutôt bien. 18% d'esquive, 52% PV, c'est correct. Il nous faudrait du pourcentage dégâts, mais dès qu'on peut combiner les épées... Après, il faudrait trouver une autre épée. On verra. C'est le max rouge, ouais. Lui, c'est lequel? Celui qui tire... ouais. Et après, il va fuir. Compliqué. Non, mais c'est le décès. C'est le décès, sauf si j'arrive à me heal un peu. J'ai pris le loot parce que c'est du heal. Ah, c'est ouf comment ça passe bien la P1, ce boss, mais en P2, impossible. Hop. C'est dommage, hein. C'est dommage. C'est vraiment dommage. On recycle. Oh, c'est, ça aussi, c'est dommage. Hein. Ça fait beaucoup de choses dommages, là. Ou alors, on joue un build corps à corps avec masse portée. Je sais absolument pas ce que ça fait. Mais probablement rien de bien. On va se prendre un peu de régen. Non, faut que t'arrêtes. C'est méchant. Au bout d'un moment, c'est méchant. Vas-y, de l'esquive. Hein. Alors, c'était pas prévu. J'ai rien d'autre en primitif, malheureusement. C'était pas prévu, mais... Let's go. On vient de passer, on vient de prendre un petit 50% damage là. Et 50% vitesse d'attaque. Il est possible qu'on ait pris un petit up là. Il est possible. Ah, je pense qu'on va randomiser. J'étais en train de réfléchir. C'est quoi le bonus lourd primitif machin chose? Du PV max et du dégât. Qu'est-ce qu'on vire? 7004. On va virer. Oh, je pense que je vire un. Je perds pas d'armure, je perds 3% esquive. Je vire un bouclier et on prend une deuxième massue cactus. Il fait pas de dégâts le bouclier. Ouais. Ok, c'est pas mal. Let's go. On est un peu plus fort, là. C'est-à-dire qu'on a failli mourir à la vague d'avant. Et en une vague, on devient PGM. Je pense qu'on aurait tué le boss, là. Je sais pas. Oui, si, on l'aurait tué. Oh, non, c'est sûr. On verra. On verra aux prochaines vagues. Ah, c'est dommage, du coup, de pas l'avoir tué, parce qu'on ne chope pas l'item rouge. Donc, on passe à côté, un côté d'un... Très gros bonus parce que c'est un item rouge, mais aussi d'un plus 5 HP gratos. Level up. Ah, on est pas mal là, on est beaucoup plus confort d'un seul coup. Hein. Ça se sent que c'est le roi. Ça se sent. Hop. Ok, pas mal.
Bon, on peut le prendre, hein. Du coup, on veut quoi? Les dégâts mêlés commencent à devenir pas mal forts, mais... Est-ce qu'il y a autre chose qui nous intéresse plus? On est à 21 en dégâts mêlés. On pourrait prendre la récolte pour plus être en négatif de récolte, mais bon. C'est vrai que c'est un peu moche, le négatif de récolte. Crit ou chance? Bon, chance encore, ça va. Je trouve ça moche, le moins 4 récolte. Ah, le moins 2 ingénierie est moche aussi. Ah, vas-y, je vais prendre le dégât mêlé. Bon, on va prendre la potion de régénération, hein. Puis... ça. Et... on va lock tout le reste. Même si ça... Non, mais on va pas le prendre, mais bon. À chaque fois, j'ai envie de le prendre. Go. Hop. Donc là, attends, l'item qu'on a pris, c'est la régène doublée à moins 50% HP, c'est ça? J'ai déjà oublié. Il était rouge, moi j'ai vu, j'ai pris. Je crois que c'est ça, c'est la régène doublée à moins de 50% HP. Donc, avoir de la régène, c'est bien. Et du coup, tu fais un build avec l'autre qui a plein de... Celui qui fait pop plein d'arbres, il a pas de malus... de malus d'ingénierie. Ah, le problème, c'est les ressources. J'allais dire, tu fais un build où tu fais pop masse tourelle. Ça doit être rigolo. Hop, 582. On s'en fout. Vitesse, je suis à 15, ça va. Esquive, 21. Bon, on va monter à 30% d'esquive. On va prendre ça. Bon, vu que j'ai pris un malus, je peux prendre un bonus. Est-ce que je... Ouais, vas-y, je le prends. Passons à moins 8 de récolte. Non, vas-y, je vais. Ah, c'est un boss. Oh. Ça peut me sauver la vie, ça. Ça peut me sauver la vie. Ok. Qu'est-ce que tu fais, toi, déjà? J'ai déjà oublié. Ouais, ça devrait le faire, logiquement. Il n'y a pas une dinguerie. Genre si je prends pas 17 attaques en même temps. Ok, good. Good. Parfait. Ça, ça fait plaisir. On te veut, toi. Voilà, on t'a eu. Ah non, on est pas mal, là. Là, on commence à être bien. J'espère que c'est un item... On peut prendre au moins, quitte à ce qu'il ne soit pas utile, mais qu'on puisse le prendre. Ça fera un petit 5 HP, mais si ça pouvait être utile, ce serait encore mieux. Oh oui, oui, non, non. Oh non, je l'ai pas eu. 5% vol de vie, plus 10% ennemi. Oh, vas-y, on prend, hein. Vas-y, je prends. Plus 30% dégâts, moins 3% vitesse d'attaque pour chaque arme différente. Oh... Bon, on le prend quand même. 30% dégâts et 5 HP, on le prend quand même. Vas-y. On n'en veut pas. Il n'y a rien qu'on veut. Ouais, vas-y. Ça, c'est discutable.
Mais bon. Ouais, le jeu a décidé que la récolte, c'était pas pour nous. Ça, c'est bien. Ok, donc on va pouvoir potentiellement faire une nouvelle arme rouge, mais il va falloir retrouver une arme derrière. On va pas l'acheter là pour avoir le bonus. On a déjà gagné 223, c'est pas énorme, hein, mais bon, c'est toujours ça. Bouclier, vire-le et mets la lance. Non, non, je veux passer la lance rouge. Je vais passer la lance rouge et essayer de trouver un autre. Mais c'est vrai que le bouclier fait pas de dégâts, hein, donc le bouclier, il sucks. Mais ça fera quand même beaucoup plus de dégâts si... APA, pour 8%, on a 104%. C'est vrai qu'on pourrait. Mais... Non, je suis pas convaincu du gain parce que ça me fait perdre des matériaux aussi. Bof. C'est moins 3% vitesse d'attaque. Non, non, mais non. Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, c'est vrai, pour avoir des trucs différents. On verra, on va y aller comme ça. Hop. Le roi. Sa majesté des patates. Hop. Ça va, il cligne bien. En plus, on a l'assurance d'avoir plus de régène quand on a moins de 50% HP. Il y a un mob qui nous a rushé. Il nous a explosé dessus. Ça manque de petites caisses, cette vague-là. Il y a un arbre. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon. Bon, deux caisses, ce sera encore mieux. Ah, voilà! Voilà. On va dive pour essayer de tout ramasser. En tout cas, au maximum. Ouais, non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Non, merci. Oui! Je dirais vitesse d'attaque. Oh, c'est le level 20. On peut reroll. Si on reroll, on veut quoi? Qu'est-ce qu'on voudrait? Bon, en vrai, il n'y a rien d'incroyable. Le crit... Ah oui, il y a le crit. Le crit, c'est mieux, t'as raison. Ouais, le crit, c'est mieux, je pense. Je pense que le crit est mieux, là. Non, je pense que le crit est plus intéressant que la vitesse d'attaque. Vu qu'on a déjà pas mal de vitesse d'attaque. Oh, je sais pas, en vrai. Non. Non, attends. 74, on n'est pas à plus 100, donc... Non, la vitesse d'attaque est peut-être encore un chouïa mieux. Vas-y. On va prendre ça. Alors, on a un sécateur. Je pense qu'on s'en fout. Plus 12 dégâts mêlés, plus 6 dégâts distance. Et ça file 5 HP. Mais on perd 5% vitesse, c'est pas grave. 1 armure. Vas-y, on prend. Bon, normalement, je devrais prendre la médaille, mais j'aimerais des armes. Oh, j'aime bien le lance-pierre, c'est primitif. Attends, on a quoi en primitif? On a ça. Vas-y. C'est pas grave, on perd 3% vitesse d'attaque, mais... Ah, mais non, c'est distance. C'est distance. Dis les bêtises. Je sais pas pourquoi, j'ai vu du bois, je me dis c'est corps à corps. À la recherche d'une arme. Il y a tellement de choses qui pourraient être intéressantes, là. Oh, j'ai tout dépensé, j'ai rien trouvé. Non, non. Tant pis. Là, dans l'idéal, ce serait une arme qu'on a déjà. Mais où Excalibur, bien sûr. J'aimerais bien Excalibur. Ce serait une belle façon de terminer. Enfin, il y avait plein de choses intéressantes que j'aurais pu acheter là, plutôt que de roll pour une arme que je trouve pas. Mais bon, je pense qu'on est strong, donc ça devrait aller. On peut se permettre.
Et ben, ça se passe bien. Il n'y a pas d'accident. Ça devrait le faire. Enfin, sans oublier qu'on gagne en plus des stats à chaque fin de vague, là. Par contre, on... Ah si, on a une caisse, ça va. On va essayer de tout ramasser. Ok. On n'en veut pas. Oh, vas-y, on va prendre. Ouf. Ah, oui, mais quand même. Au final, une petite épée de foudre comme ça. Bon, on n'a pas de dégâts élémentaires, mais c'est quand même du 125% mêlée, donc bon. Attends, pourquoi elle triche, cette arme? Pourquoi elle a et 125% mêlée et 125% élémentaire? C'est quoi cette arnaque? Alors qu'elle frappe assez vite, en plus. C'est quoi cette arnaque? Pourquoi elle est trichée, l'arme? Genre là, c'est 100% mêlée, et elle, c'est 125%, plus 125% élémentaire. Allez, hein. C'est encore rentable, ça, ou pas? Pas grave, hein, j'ai perdu 2 HP, mais on s'en remettra. Ok. Let's go. Parce qu'elle existe que rang 3 et 4. Ouais, mais elle est pétée quand même. Hein. Un peu trop pétée. Faut mourir, monsieur. Au lieu de m'envoyer des petites boulettes là et me faire peur. C'est bon. Tout va bien. Prends tous ces buffers. Heureusement que les buffers ils buffent pas les boss. Hein. Ça fout là. Hop. On n'aime pas ces mobs là. Je veux bien une autre caisse avant la fin si jamais. Si vous hésitez. Si vous dites, ah, ça va peut-être lui faire trop. Bon, au final, non. Sachez. 494. 10 régénération PV plus 2 régénération PV toutes les 5 secondes jusqu'à la fin de la vague. Bah oui. Bon, c'est moins 10 chances, mais quand même. Là, on va être pas mal immortel quand même. Hein. On va être pas mal là. Hein. Ça, on prend pas. On peut prendre le 5% crit. Allez. Plus 1 PV max lorsque vous ramassez un consommable en étant en pleine santé. Bah allez, hein. C'est pas mal. Ah, j'ai oublié un rôle gratuit avant. Ah, pardon. Ok, go. Bac 19. Ah, heureusement qu'elles sont là, mes petites tourelles. Hein. Après... Ah oui, c'est vague 19. En vrai, l'item rouge sert vraiment à rien. Ah, c'est comme si j'achetais un plus 5 PV, hein, vu qu'il va me donner 0 bonus. Mais bon... Je l'aurais acheté cette vague encore, il aurait servi un peu, mais... Donc ça fait les 5 PV à plus de 200 gold. Je sais pas quoi en penser. Hein. La vita, comment elle remonte, ah bah là... J'ai 46 régénérations de PV, donc ce qui veut dire que... Logiquement, je monte à 100 plus... à moins de 50% HP. Et puis bon, on en gagne, là, maintenant, on est à 48. Hop. Non, merci. Il y a une partie de moi qui a envie de chercher une arme. Mais bon. Bon, par contre, faut prendre les menottes, hein. Bon, après...
feuille puis mes notes, wesh. Ouais, mais ça, c'est le choix safe. Oh, allez, allez. Attends, pourquoi j'ai pas... Ah, mais non, la feuille donne pas. Mais non, j'en avais déjà une. Mais non, elle sert vraiment à rien. Non, non. Tant pis. Mais oui, on avait déjà une feuille. CTRL Z, vite. Attends, je réfléchis. On pourrait prendre ça, mais on s'en fout un peu. Cherche un truc mignon pour la fin, t'as rien? Non, t'as rien. Tant pis. Tant pis. Bon, ça devrait bien se passer quand même. Mais on se souviendra qu'on aura fini sur un fail. Attends, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il était tout seul. Je me suis dit, mince, j'ai pas lancé dans la bonne difficulté. Le roi, il est pété comme perso, hein. On va pas se mentir, c'est peut-être le perso le plus pété du jeu. Mais d'un autre côté, ils l'ont appelé le roi, ils l'ont pas appelé le Pecno. Donc bon. Donc, il a des privilèges. Reviens! Ça y est, c'est le GG. Une fois que t'es lancé, ouais, il devient Imba. Ah là là, allez, allez, et ça c'est beau. Retournez au menu principal. Nouvelle partie, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique? C'est pas incroyable? Et il est même pas 20h. J'aurais pas fait 7 heures de live. Oh là là. On a one-shot les deux derniers, non? Le pêcheur, on a galéré parce qu'on a voulu rigoler. Le cryptide, on l'a pas one-shot aussi? Oh, je sais plus. Je sais plus. C'est bien passé aujourd'hui, hein. On a bien enchaîné, hein. Et encore le pêcheur, on a galéré parce que j'ai voulu faire des petits challenges perso, quoi. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, allez. Alors, on va faire des bisous à tous les glous du tube. Merci d'avoir suivi cette aventure, mais elle ne s'arrête pas là. Le vrai jeu commence maintenant. Non, le vrai jeu va commencer maintenant. On va faire des randoms. On fera des randoms et on essaiera de faire des win streaks en random. Donc, il faudra jouer moins... Juste pour le fun, mais plus pour la gagne. On verra. Mais je me connais, hein. Je vais voir un truc où je vais me dire oh, ça doit être rigolo. Et je vais vouloir le tester. Mais en tout cas, c'est une chose de faite. Tous les persos en danger 5 sur Brotato. Yes! Des bisous. Ciao, ciao. À bientôt.